comment trouver sa propre raison d'être. Rejoignez-nous pour ensemble explorer le concept japonais Ikigai. Aujourd'hui, le thème de notre émission sera donc « En quête de trouver son sens, trouver son Ikigai ». Chers téléspectateurs, je vous invite donc à vous installer confortablement car votre émission riche en informations commence maintenant. À tout de suite. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0, votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face la jeunesse congolaise, nos moments d'échange, de partage avec nos invités et nos experts dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, vos animatrices préférées. Bonsoir les filles. Bonsoir. Prunelle. Comment vous allez? Bonsoir. Comment vous allez? Super, en tout cas, en forme. Et ça particulièrement moi, parce que je suis encore ravie d'être de nouveau avec vous toutes aujourd'hui. Donc, quand même, c'est ça fait un petit moment de se voir après. Oui, après au moins une longue semaine, après des longs jours, plein de fatigue. Ça n'a pas été facile pour chacune d'entre nous. Et je suppose pour tous nos chers téléspectateurs, le week-end est souvent un moment de détente. Oui. C'est comme ça qu'on est là pour vous détendre, mais en vous informant. Tout à fait. Alors, quelles sont les nouveautés, les nouvelles que vous m'apportez, comme chaque week-end de la semaine? Un peu dramatique quand même cette semaine. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements. Ça, c'est vrai. J'ai hâte de savoir. Pas mal de mouvements au niveau de Kinshasa, mais notamment dans une autre province. Mais ce matin, nous allons rester à Kinshasa, qui quand même, vous n'êtes pas sans le savoir, qui s'est passé un drame dans l'une des écoles de la ville, nommée Sévigné. Voilà, pour beaucoup qui ont suivi les infos, où un jeune homme a ôté la vie de son camarade de classe en pleine rentrée. À peine deux semaines à peine. Après la rentrée. Oui, c'est vrai, ça fait deux semaines. Deux semaines officiellement aujourd'hui. Voilà, donc cet élève qui subissait des railleries, des harcèlements à l'école, hein, qui en est arrivé au bout un peu et a donc décidé de régler ça par la violence, malheureusement. Malheureusement. Et je pense que ça devrait interpeller les familles, en fait, de tous les élèves. Et moi, je condamne, en fait, les familles des deux côtés. Hein. Les familles des deux côtés, parce qu'il faut savoir comment se comporte son enfant à l'école. Et aussi, la base du suivi des élèves revient aussi aux professeurs des classes. C'est ça notamment. Aussi. Ils sont censés surveiller les élèves, comprendre leur comportement. Voilà pourquoi on a des conseillers scolaires. Voilà, des conseillers scolaires. D'abord débuter par faire leur travail. Exactement. Je pense que chacun doit vraiment se mettre à la place et prendre cette affaire avec rigueur, parce que c'est dans plusieurs écoles qu'on remarque que le harcèlement existe. Et pas que en RDC, le harcèlement qui, dans d'autres pays, notamment, on le voit où ce sont les élèves malheureusement harcelés qui mettent fin à leur vie, qui n'ont même pas le courage de confronter leur bourreau dans les écoles. Et là, c'est un cas isolé, on va dire, c'est un cas isolé, mais ce n'est pas un nouveau cas en RDC où il se trouve qu'un enfant, suite d'un échange violent, mette fin à la vie d'un de ses camarades. Ah oui, c'est pas une première. Et en parlant d'ailleurs d'harcèlement, j'ai essayé de me renseigner sur la question et malheureusement, les raisons ou encore les circonstances exactes de cette situation paraissent encore floues sur Internet. Je ne sais pas si tu as plus de détails par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fait à ce que le jeune garçon, disons meurtrier, qu'on va malheureusement appeler aujourd'hui, soit passé à l'acte? Qu'est-ce qui était à la source de tout cela? Il semblerait que la source de ce drame soit le harcèlement justement sur sa couleur de peau. Voilà, sur sa couleur de peau. Donc ce jeune homme de mélange, hein, un métis, s'agirait-il, égyptien et congolais notamment, subirait le harcèlement de ses camarades à cause de sa couleur de peau, hein, parce qu'il est très clair de peau et bon, normalement ça ne devrait pas franchement être une raison d'attaque, notamment, je ne sais pas si c'est dû à un complexe ou quoi que ce soit, mais vraiment il subissait ça. Et je pense
Après, analyse quand même, c'est pas un acte qui est venu d'un coup, hein. Certainement, même les années précédentes, il subissait ce harcèlement-là, et là, il en a vraiment eu... Il a accumulé, il en a eu marre, et a décidé de se défendre à sa manière. Peut-être qu'il a appelé à l'aide de ses professeurs, de ses directeurs, on ne saura pas la version exacte. C'est à peu près ça aussi, puisque normalement, à partir de l'école, les éducateurs ou encore les conseillers devraient être des spécialistes sur toutes les questions qui touchent aux enfants, aux élèves. Donc, ils devraient être en mesure, à travers le comportement qu'affiche l'enfant en classe, de détecter que cet enfant a un mal-être, cet enfant est victime de ceci, de cela. Normalement, dans leur formation en tant qu'éducateurs, pédagogues, ils sont censés détecter ça. Exactement. Et moi, jusqu'à présent, j'arrive pas à comprendre comment l'affaire a pris une telle envergure, comment l'élève a eu à sortir son couteau, déjà le temps de sortir le couteau, de s'approcher auprès de la victime, de poignarder. Pendant tout ce moment, où étaient les professeurs, où était le personnel, où était toute cette personne-là, toutes ces personnes qui pouvaient justement empêcher ce drame. Jusqu'à présent, moi, je suis encore dans cette interrogation. Position de ce couteau, les parents, vous comprenez pas ce que vos enfants ramènent à l'école. C'est quand même, c'est un enfant, je crois, par exemple, quoi, 14, 13 ans, moins que ça, mais attends, à quel moment tu es en possession d'un couteau alors que tu es encore, comme on dit, puber, tu es encore très jeune, et à quel moment toi, tes parents, moi je me souviens, mon père, il contrôlait mes sacs tous les matins. C'est ça. Voilà, tous les matins. Et même à l'école, il y avait des contrôles. Est-ce que tu ramenais de téléphone? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les enseignants ou les autorités scolaires sont devenus... Mais des écoles privées, surtout. Négligents et surtout prennent beaucoup de choses à la légère. Il y a des comportements qu'on voit, c'est désolé, mais c'est vrai que notre époque n'était pas non plus parfaite. Oui. Je crois qu'on n'entendait pas ces genres d'histoires. Aujourd'hui, c'est devenu horrible. Moi, pour moi, les parents aussi, l'une des personnes à condamner, c'est les parents. Du moment que votre enfant sort, tu dois faire attention et puis éviter tout objet tranchant à la maison qu'un enfant peut ramener. Oui. Parce que là, déjà, quand j'ai vu l'image, le couteau, c'est un bistouri, là. Bistouri. On m'a dit pour, je sais pas. Pour bricoler, c'est. Même pas qu'on a dit à l'hôpital, justement, on utilise. Ah oui. Oui, c'est le type de couteau qu'on utilise à l'hôpital, j'ai oublié le nom, justement, lors de la chirurgie. Oui. C'est super tranchant. Ok. Alors peut-être qu'un membre dans la maison est médecin, certainement. Oui, mais tu gardes. Peut-être. Bon, à peu près, c'est. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a surtout ça. En soi, pour moi, la responsabilité dans cette affaire est partagée. Vraiment partagée. Entre les enseignants et les parents. Les parents, c'est vrai que c'est pas que nous sommes aussi des ancêtres, mais quand même, à notre époque, les parents avaient tendance à vérifier nos sacs, même lorsqu'ils mettaient de la nourriture dedans, ils vérifiaient. C'est maman et papa qui font ton sac. C'est ça, en fait. Soit tes grandes sœurs, tantines, mais c'est toujours quelqu'un qui vérifiait ton sac. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, malheureusement, pendant que les enfants sortent le matin, les parents dorment encore. Oui. Des fois, ce sont des personnels à la maison, des tantines qui s'occupent. Et vous savez très bien que la vérification d'un parent est différente d'une tierce personne, vous voyez un peu. Et mis à part cela, il y a l'influence que l'enfant subit à la maison, puisque pour savoir qu'un couteau peut donner la mort, faut en avoir conscience. Oui. Et pour en avoir conscience, il y a peut-être les images aussi, peut-être les choses qu'ils ont vues à la télé, ce genre d'enfants qui sont peut-être trop souvent exposés à des films d'action, à des scènes de ce genre. Non, c'est que c'est un enfant, ça peut également influencer. Il avait déjà développé une certaine attitude très violent, ça c'est vrai. Et que, désolé, mais ici on l'a cumulé. Et que d'un point de vue mental, ça n'allait pas. Parce que sûrement. Toi, un enfant de ton âge, je pense que déjà, le fait de penser à poignarder ton ami, c'est que ça ne va pas. En soi, déjà, une personne qui est harcelée, dis déjà dans la tête, ça ne va pas. Ça ne va pas. Okay, donc malheureusement. Ça... Et tout, j'espère que la justice fera de son mieux parce que, désolé, il doit payer pour son crime. Il paraîtrait qu'il est en fuite, en cavale. Non, je pense pas. Vraiment? Oui, je pense pas. Parce que dès que ça s'est passé, les autorités ont appelé la police. Vraiment? Oui. À Skip, ils sont en train déjà. C'est ce qu'on a dit. Bon, jusque-là, qu'on a dit, toutes les informations sont floues. Sont trop floues. Mais de toute façon, ce qui est sûr, il faut qu'il y ait justice. Il faut prendre vraiment des mesures. De cet enfant qui est mort. Du jeune garçon. Voilà. Ça, c'est vrai. Des cœurs avec cette famille et j'espère que ça sera une leçon pour tous les parents de faire attention. À qui vos enfants fréquentent? Est-ce que vos enfants sont eux-mêmes des harceleurs ou sont harcelés? C'est important de savoir, de connaître comment s'est passée la journée de ton enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te dérange? Si c'est le cas, allez directement voir l'école, en parler, que votre enfant n'accumule pas une haine qui va ensuite
mener à ces genres d'actes barbares. Merci Prisca. Gracias. Qu'est-ce que tu me ramènes comme, j'espère que c'est une bonne nouvelle. On reste toujours dans la tendance, bon, de mauvaises nouvelles pour certains et pour d'autres d'excellentes nouvelles. Alors ça, c'est une information sûre, certaine, certifiée. Je pense qu'on en a tous entendu parler, surtout que nous sommes tous, je suppose, amatrices de Canal+. Il y a quelque chose là. Alors, nous avons tous eu vent de l'interdiction de la diffusion de la célèbre télé-réalité de Bachelor sur Dieu merci. Congolais. Alors, il y a certaines personnes qui pensent comme toi et d'autres personnes sur les réseaux disent non. Ils disent que c'est leur argent, c'est avec leur argent qu'ils payent l'abonnement. Ils ont tous les droits de suivre ce qu'ils veulent. Ils ont même donné des astuces pour contourner cette décision. Oh, carrément. Donc, disons que il faudrait qu'on puisse un peu remonter à la source pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, faudrait savoir que cette décision émane d'un conseil ou encore d'une réunion entre les hauts fonctionnaires et également les hauts conseillers et bien évidemment les membres de la CESAC. Dans, excusez-moi, le représentant ou encore le président, Monsieur Christian Bossembe. Et ensemble, ils ont pris la décision de censurer ou encore d'interdire la diffusion de l'émission sur le territoire congolais. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient que le message que diffusait cette émission était contre les valeurs culturelles africaines et surtout congolaises. Alors, c'est de cette décision qu'a émané justement l'interdiction de diffusion. Mais malheureusement, le 10 septembre de cette année, la chaîne Canal+, précisément Pop, a diffusé l'émission sur le territoire congolais. Alors de là, il y a eu des mouvements de la part du CESAC et ils ont interpellé Canal+, jusqu'au point, il paraîtrait que l'affaire est arrivée jusqu'en justice. Là, c'est point d'interrogation. Mais ce qui est sûr est que... D'abord, il n'y a plus, puisqu'ils ont décidé que la chaîne Canal+ Pop devait avoir... il faudrait interruption d'image sur cette chaîne précisément durant 45 jours. C'est la pénalité qui a été donnée à la chaîne Canal+ Pop. Et cela est, je pense, déjà effectif à partir d'aujourd'hui. C'est déjà depuis la saison, la dernière saison, ils n'ont pas diffusé. Sérieusement ? Oui. Donc, moi, j'ai appris ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, la chaîne est bloquée. Quand ça a commencé, ils avaient diffusé, mais les rediffusions n'ont plus été diffusées. Donc, la chaîne en soi, mise à part l'émission en soi individuellement qui est bloquée, mais c'est toute la chaîne Canal+ Pop ainsi que tous les programmes que l'on diffuse sur Canal+ Pop qui sont interrompus durant 45 jours. Ils nous prendront au sérieux. moi j'ai personnellement félicité la chose puisque c'est vrai que le message de Bachelor d'un homme qui cherche son homme avec qui cherche avec sa moitié avec 20 femmes de l'Afrique qui viennent et qui se combattent entre elles pour un homme, je trouve pas que le message et pour compléter d'ailleurs l'info, j'ai vu que je pense qu'après le conseil, le président de la CESAC a eu une audience avec le président de la République justement pour présenter son plan de régulation des médias. Qui est très bien. Oui, c'est une très bonne initiative. D'ailleurs, il dit la population des réseaux sociaux participe de manière inquiétante à la dépravation des mœurs et à l'acculturation des Congolais. Donc, devant cette situation, il a présenté donc au chef de l'État le plan de régulation des médias traditionnels et sociaux, qui est une bonne initiative parce que culturellement parlant, il y a de ces programmes qui ne cadrent vraiment pas avec ce qu'est le Congolais dans ses racines et dans son fonctionnement, mais on le voit aussi dans certains pays. On va prendre la Chine, par exemple, qui, la Corée aussi, ou même l'Inde, ou les pays de religion musulmane qui censurent énormément de programmes. Si on va encore au Qatar, là, c'est même les pubs, sont censurées de tout façon. Tout est vérifié, donc si tu entres dans un site, parce qu'ils sont stricts sur ceux qui rentrent, sur ceux qui passent par eux, parce que selon leurs principes, leur fonctionnement, leur culture, leur façon de vivre, ils ne tolèrent pas la dépravation des mœurs. Et ça, en fait, c'est le fait de refuser de ressembler à l'Occident qui est vraiment très relâché. Un peu trop loin. La liberté. En fait, il faut savoir mettre une barrière entre la liberté de d'expression et le libertinage un peu, on va dire.
à l'excès de... Voilà. Et c'est bon de pouvoir réguler ça, parce que j'ai remarqué aussi avec l'information sur le cas de l'incident qu'il y a eu à l'école Sévigné, c'est que les images des enfants circulent. Chose pour laquelle je suis extrêmement contre. On ne devrait pas faire circuler les images de ces enfants, parce que c'est carrément... mettre en stand-by son avenir. Ces images-là vont le suivre toute sa vie. Ça sera encore pour lui, vous connaissez les internautes, ils vont continuer à s'acharner sur lui les années qui vont venir. Il n'aura pas la liberté de pouvoir s'exprimer même sur les réseaux. Et s'il choisit une carrière, il sera toujours targeté sur l'affaire qu'il a suivie. Même s'il se fait juger aujourd'hui et qu'il endure sa peine jusqu'à la fin, mais les images sur les réseaux restent et il y a toujours des personnes qui viendront rappeler ça à un moment où il voudra certainement construire sa carrière, et on devrait réguler ça. Réguler les images qui passent sur Internet, réguler les images qui passent à la télé pour ne pas franchement entraver aux mœurs des Congolais. Ça, c'est vrai. Et par rapport à tous ces détails, j'aimerais juste marteler sur un point. Il ne faudrait pas que nos interlocuteurs ou encore nos internautes ou tous ceux qui nous suivent là maintenant puissent prêter à confusion nos propos. Dans la mesure où nous ne sommes pas contre la mondialisation. Oui. Non, nous sommes ouverts à la mondialisation. Nous sommes ouverts à tout ce que l'Occident ou encore les autres horizons peuvent nous apporter de bon. Oui. Mais nous devons également savoir nous protéger. Nous ne pouvons pas toujours rester une passoire et faire tout passer. Voyez un moment, puisque les images, les messages, tout ce qui circule sur Internet et la télévision peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Et encore, le quelqu'un là étant congolais peut donc avoir un impact sur la population congolaise. Oui. D'où il est tout à fait normal que cette commission, que la CESAC puisse prendre des mesures nécessaires pour réguler ce qui passe à la télévision et surtout sur Internet. Oui. Donc je m'adresse d'une certaine manière aux utilisateurs d'Internet. Je ne sais pas comment on appelle ceux qui utilisent Instagram, Instagrammeurs, je ne sais pas. Influenceuses, internautes. je m'adresse beaucoup plus à ces personnes pour leur dire de calmer un peu le feu. C'est vrai que c'est une émission qui vous plaisait d'une certaine manière, mais nous sommes également en train de voir l'intérêt de la population congolaise et en soi l'intérêt des femmes. C'est vrai que les femmes, vous êtes libres de faire ce que vous voulez, vous pouvez disposer de votre corps comme vous voulez. Mais il faut garder sa valeur. Il faut savoir garder la dignité congolaise tout d'abord. Oui. Et c'est, je pense, la protection des citoyens d'abord que la CESAC a justement pris cette décision. Exactement. Voyons voir ce qui va se passer après. C'est déjà un bon début. Endommager les relations entre la RDC et Canal+. Je ne pense pas. Je pense qu'on a les droits d'interdire ce qui doit entrer dans notre pays ou pas. Exactement. Il n'y a pas une loi mondiale qui interdit parce que les autres pays le font bien. C'est ça. Donc, on n'a pas de problème. Mais j'espère, comme tu nous avais dit, que la CESAC va continuer. Moi, j'apprécie. Et qu'on doit faire attention au contenu que nos enfants doivent suivre, que nous-mêmes devons suivre parce que ça nous influence. Tout à fait. Voilà. C'est qu'on regarde, c'est qu'on écoute, énormément notre vie, même si vous dites oh je regarde ça juste par plaisir, oh mais c'est juste parce que je me divertis, mais sauf que ça reste dans ton cerveau. Exactement. Et ça crée, après ça va changer même ta façon de voir les choses. Merci les filles, on va débuter l'émission après ces longs moments d'actualité et rire. Comme toujours, nous commençons notre émission avec la citation du jour qui nous sera dite par Gracias. Juste après, nous allons vous présenter notre invité du jour, une dame, et par la suite, nous allons passer à notre moment préféré, la table ronde, pour débattre sur les sujets thèmes d'aujourd'hui. Et pour finir, le conseil du jour. Gracia, s'il te plaît, la citation. Alors, pour la citation de cette très bel épisode, ce magnifique épisode thème de la Congolaise 2.0, je vous apporte une parole d'un monsieur qui est déjà passé par notre plateau. Alors, c'est monsieur Ralph Waldo Emerson. Nous avons déjà parlé de lui, nous avons déjà abordé l'une de ses paroles. C'est un essayiste et philosophe plus poète américain, et la parole qui nous apporte en cette soirée est « La meilleure façon de trouver votre raison d'être est de le créer. » Je répète, « La meilleure façon de trouver votre raison d'être est de le créer. » Alors, comment la citation vous parle, les filles? Je pense que c'est une façon de nous dire que, bon, généralement, les gens ont tendance à vouloir, comme on dit, une raison de vivre, une raison d'être, mais sauf que c'est quelque chose que nous-mêmes devons développer, hein.
Parce qu'on est là, on est né. Voilà, on vit, mais sauf qu'il faut vraiment trouver des motivations, des réels sens à notre vie. Ça, c'est vrai. On peut pas être là seulement, tu veux ta vie, tu respires, non. Mm-hmm. Donc, l'effet qu'on est là, c'est déjà une grâce. Maintenant, qu'est-ce qu'on va apporter de plus dans ce monde? Mm-hmm. Quel apport ou qui on sera? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on veut faire? Mm-hmm. Tout ça, c'est des choses qu'on doit réfléchir. Et c'est nous-mêmes qui allons créer la personne qu'on veut devenir demain. Tout à fait. Donc, si tu veux devenir ministre un jour, tu dois justement créer ces personnes, ces qualités, mm-hmm. avoir des compétences pour arriver à être dans ce poste. Président, architecte, peu importe ce qu'on veut devenir. Donc, c'est quelque chose qui commence de l'intérieur, ça se crée, ça se développe. Et je pense que... Voilà. Et surtout que la raison d'être... Mm-hmm. Comme elle est si bien dite, c'est vraiment quelque chose qui, au fur et à mesure qu'on s'y attache, mm-hmm. nous permet de, justement d'avoir un support sur lequel tenir sa vie. Vous savez, on a énormément de ces mm-hmm. personnes, malheureusement, qui, au fil du temps, dépressives, mm-hmm. décident de mettre fin à leur jour. Non, mais c'est parce que, dans le fond, voilà, elles n'ont plus de raison d'être, elles n'ont plus de raison de continuer, mm-hmm. De vivre, de continuer, de payer le prix mm-hmm. Sous le soleil, sous ce beau soleil. Yeah. Et voilà, mais ça se crée. Et se renouvelle surtout, parce qu'une raison d'être n'est pas une raison éternelle que l'on garde en tant qu'être humain. On se développe, on change autant que nos cellules se renouvellent tous les jours. Une raison d'être peut être aussi changeante. Tout à fait. Aujourd'hui, je décide d'atteindre tel objectif, c'est ça qui va me motiver. Et même quand j'échoue, je me dis... Oui, à se relever. Voilà, exactement. Je vais me relever parce que je veux atteindre ce but et c'est ça ma raison d'exister pour cette saison. Et la saison d'après, tu te trouves un autre objectif, c'est mm-hmm. parce qu'on grandit. On réfléchit autrement, les visions s'agrandissent, la façon de voir le monde s'améliore au fur et à mesure. Voilà, rien ne reste stagnant. Mmh. Ok, donc par rapport à ce que tu viens de dire, moi je suis vraiment d'accord, puisque quand on était enfant, on avait d'autres raisons d'être. Exactement. On avait notre raison d'être, c'était de finir les études. Quand on arrive à l'université, d'autres raisons, obtenir son bac et mmh. ainsi de suite. Donc au fur et à mesure que l'on traverse les étapes de la vie, on se fixe de nouveaux objectifs mmh. et cela développe une nouvelle raison d'être. Ça mmh. donne un peu du sens à notre vie. Et s'il faudrait paraphraser ou encore essayer d'interpréter la citation de monsieur Ralph Waldo, je dirais que on ne reste pas assis à attendre sa raison d'être. Mmh. Vous voyez, la raison d'être n'est pas déposée, bon, c'est pas comme une opportunité qu'on a. Donc, on doit s'essayer à diverses choses. Yeah. On doit essayer de se découvrir. Et on se découvre comment, comme je l'ai dit, en devenant un peu essayiste. Oui. En essayant de tout, en revoyant un peu ses compétences, ses talents, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que tu t'essayes à quelque chose, tu verras que parmi toutes ces choses-là, il y aura quelque chose en particulier qui fera à ce que tu puisses beaucoup plus briller. Une chose en particulier qui fera à ce que... qui te procurera de la joie, du bonheur, un bonheur en plus. Ça peut être un petit bonheur, mais tu sentiras que cette chose en particulier, quand je le fais, je me sens bien et j'apporte aussi à mon entourage des bonnes choses. Et petit à petit, tu vivras pour cette chose et sans t'en rendre compte, cette chose deviendra ta raison d'être. Mm-hmm. Donc, comme on parlait d'objectif, ça peut également être mm-hmm. ça. Exactement. Cet objectif pourra devenir ta raison d'être, ça pourra devenir la chose qui donne du sens à ta vie. Donc, c'est important de toujours s'essayer. La raison d'être, comme je l'ai dit, ne tombe pas du ciel. Il faut s'essayer, il faut essayer de se développer, se découvrir et travailler sur ses compétences. Voilà. Voilà. Merci, Gracias, avec tes belles citations qui cadrent toujours avec les thèmes, les sujets du jour. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une invitée, une dame très exceptionnelle qui est avec nous ici. Bonsoir, Thérèse. Bonsoir, Prunelle. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, merci. Et très ravie d'être avec vous sur ce beau plateau de la Congolaise 2.0. C'est vraiment un plaisir et je vous remercie pour l'invitation. Merci, Thérèse. Pour nous aussi, c'est une immense joie et un plaisir de partager notre plateau avec une belle dame très intelligente. Merci. Que vous êtes nous apprécions. Aussi belle, mesdames. Oh, merci. Vraiment, c'est un honneur, c'est un plaisir. Alors, qui est Thérèse? Je vais vous la présenter, question que le public ou nos chers téléspectateurs puissent prendre connaissance de toi. Mm-hmm. Alors, son nom au complet est Thérèse Bankaseka Muwaya, si j'ai mal prononcé, tu me corriges. Alors, elle est juriste de formation, fondatrice de la plateforme dénommée Women of Vision,
assistant projet à la WEA Consulting. Tu vas, tu vas me dire c'est quoi exactement. Et elle est auteur. Oh là là, nous avons une femme avec un background ici. Hein? Alors, tu as quelque chose d'autre à ajouter pour que nos chers téléspectateurs puissent... prendre... Vous m'avez très bien présenté, Prunelle. Mm-hmm. Je suis Thérèse Bakansé Kamouaya, juriste de formation, comme vous l'avez si bien dit. Mm-hmm. Tout à l'heure, vous parlez de We Consulting. Je suis assistante projet chez We Consulting. C'est un cabinet de conseil et stratégie qui accompagne les entrepreneurs et surtout qui vient aider ceux qui veulent lancer une entreprise pouvoir la créer, créer aussi des stratégies de marketing. Et même lorsque vous créez une entreprise et que vous n'avez pas de sponsor ou de partenaire pour vous accompagner, on est là vraiment pour trouver ceux qui doivent vous accompagner. Auteur, oui, d'un tout premier ouvrage, intitulé Des qualités indispensables pour toute personne ambitieuse. Un livre que j'ai dédié à toutes ces personnes ambitieuses comme vous, toutes ici. Merci. Voilà. J'espère qu'on aura un livre. Hein. J'aimerais bien voir ça, le lire. Hein. Ok, merci. Merci Thérèse. Alors on va commencer avec le débat, le moment d'argument, le moment de se confronter avec, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. C'est le moment de notre table ronde. Je sais que, chers téléspectateurs, c'est notre moment à tous préféré. Alors, comme je l'ai dit au tout début, les sujets du jour est en quête de son sens, trouver son ikigai. Déjà, Gracia, je nous ai un peu briefé avec sa citation du jour. Comment sera le thème d'aujourd'hui, un peu comment on va mener la cadence avec notre débat. Alors, pour commencer déjà, aujourd'hui, donner un sens à sa vie n'est pas du tout une chose facile. Évidente. Voilà, cela nécessite de prendre beaucoup du temps, se poser des questions, se remettre en question avec certaines certitudes que l'on pourrait avoir. Et aussi, nous vivons dans un monde où de plus en plus des personnes cherchent une motivation par rapport à leur travail le matin, par rapport à peut-être un rapport qu'on va poser à la fin de la semaine et tout. On a tellement de choses, surtout dans le milieu professionnel. Et il serait peut-être temps de faire le point sur sa vie. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a un super outil qui nous aide, c'est les Ikigai. Ikigai, comprenez, je ne suis pas japonaise ni anglaise. Voilà. Alors, avant de commencer, je pense qu'il faut déjà qu'on essaie un peu de comprendre d'où vient ce terme, voilà, avant que vous puissiez expliquer. Voilà. Alors, d'après mes recherches, le terme Ikigai est une philosophie des vies japonaises qui consiste à trouver un équilibre entre sa vie afin de lui redonner un sens. Donc, Iki qui signifie vivre, voilà, et Gai ou Gai, ou Gai qui signifie raison. Donc, en tout, il s'agit ni moins ni de plus dire que trouver sa raison de vivre. Donc, voilà, c'est sur l'île d'Okinawa au Japon qu'est venu ce concept d'Ikigai, qui est réputé, cette île, pour sa longévité. Donc, les habitants de cette île vivent longtemps. Que les habits que les quoi les comment dire d'après le quoi le la enfin, je vais pas dire la date mais le concept pas le concept Ikigai, mais généralement au Japon il y a un nombre limité d'âge par exemple où atteignent certaines personnes voilà le taux de mortalité voilà ou des longévités, mais sauf que dans cette île les gens ils vivent plus longtemps que prévu, et c'est là que les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi. C'est comme ça qu'on a trouvé que les personnes de cette île sont très âgées. Ils vivent plus d'une, jusqu'à une centaine d'années. Et ils ne s'arrêtent jamais de vraiment travailler. Voilà. Et on les a demandé pourquoi. On a dit qu'ils trouvent bonheur dans l'utilité qu'elles peuvent avoir pour les autres. C'est qu'elles font pour les autres. Donc, ils trouvent ça intéressant d'aider, de travailler. Et ils le font avec tellement de joie et de bonheur. Et c'est comme ça que ils transmettent justement leur expérience aux jeunes. Et ça leur fait plaisir là-bas. Quand tu es vieux, c'est pas que tu t'arrêtes. Ils aiment travailler. Ils disent que c'est parmi les choses qui font qu'ils vivent assez longtemps. Donc, voilà. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous allons peut-être aussi nous-mêmes aussi explorer ces concepts, trouver comment on peut vivre longtemps ici à Kinshasa. Et tout. Et surtout, trouver son sens. Alors, les filles, comme toujours... j'ai une série de questions, voilà. Moi, je représente nos chers téléspectateurs qui ne peuvent pas, malheureusement, poser toutes les questions. Moi, je suis là pour ça. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'ikigai? Moi, j'ai juste expliqué le concept, hein, d'où ça vient, l'origine.
Mais j'aimerais savoir un peu, selon vos définitions à vous, comment vous comprenez, qu'est-ce que c'est l'ikigai, si nos chers téléspectateurs doivent comprendre. D'accord, je pourrais commencer après l'expert sur le plateau, l'expert pourra toujours rajouter quelque chose. Mmh. Alors sur base des recherches que j'ai pu faire, alors j'ai découvert que l'ikigai en soi est un concept qui permet de se trouver justement ou encore de trouver un équilibre ou de se retrouver à l'intersection de quatre domaines ou encore de quatre éléments fondamentaux, si je dois les appeler comme ça, à savoir sa passion, donc ce que tu aimes faire, ta vocation, ce en quoi tu es doué, tes compétences, ta mission, ce que tu peux apporter dans le monde, et ensuite ta profession, ce qui te rapporte de l'argent. Donc, quand tu te retrouves au centre de ces quatre éléments, tu vis le concept Ikigai. Moi, c'est ce que j'ai pu apprendre en me renseignant. Et je pense même que c'est à cause de ça que l'on parle de la longévité. Exactement. Dans cette île-là, justement parce que ces personnes vivent longtemps, puis ils se sentent en paix intérieure. Dans leur subconscient, ils se disent qu'ils sont là où ils devront être. Là où ils doivent être. Et cette paix-là, d'une certaine manière, vous savez, si l'âme, l'esprit est en paix, le corps va suivre. Exactement. Si au fond de toi, tu te sens bien, forcément, ton corps va suivre cadence. Et justement, voilà pourquoi ces personnes ne s'arrêtent pas de travailler, puisqu'ils se disent que s'ils arrêtent de travailler, c'est la profession. En fait, ça leur procure du bien. Ils ne pourront pas être à l'intersection ou encore en équilibre sur ces quatre éléments. Ils ont besoin de ces quatre éléments pour justement vivre leur concept Ikigai. Donc voilà pourquoi d'un certain côté ils continuent de bosser. Ça leur procure du bien. Oui, ce qui est vraiment surprenant avec le point d'origine de ce concept, c'est que ça vient du Japon. Le Japon qui est aujourd'hui l'un des pays où on trouve le taux de suicide le plus élevé dans le monde. Oui. C'est pas la particularité. Non, c'est le Japon. La Corée, je pense pas qu'ils sont permis de faire ça. Et la particularité ici de la provenance du concept Ikigai sur l'île. Sur cette île, c'est que eux vivent très longtemps parce qu'ils ont justement trouvé cet équilibre-là. Justement, le concept, c'est de trouver ce que vous aimez faire, ce qui vous passionne et ce qui vous permet aussi, après tout ce que Gracias a dit, de trouver, d'avoir une vie financière stable. Ils ne demandent pas, tu vois, ces habitants, les habitants de l'île ne demandent pas à être millionnaires ou quoi que ce soit, parce qu'au final, c'est beaucoup de pression. Oui. Accumuler autant d'argent avec les taxes à payer. Et justement, c'est l'une des choses qui font que parfois, même les personnes mettent fin à leur vie, les personnes aisées mettent fin à leur vie, mais aussi de chercher à tout prix à accomplir sa vie en dépit de sa paix. Dans l'esprit de son équilibre mental, pousse aussi des personnes à mettre fin à leur vie. Parce que tu vas t'endetter par-ci, tu vas t'endetter par-là, il faut que je montre que j'ai accompli quelque chose. La paix n'est plus là. Voilà, et du coup, tu perds ta paix et tu sais plus où tu en es, tu ne sais plus où tu vas, tu perds le sens même, l'essence de ta vie et tu mets fin à leur vie. Et là, ils montrent comment trouver l'équilibre de ci ou de ça pour pouvoir vivre longtemps. C'est vraiment incroyable l'origine de ce Merci concept. Merci Prisca. Alors Thérèse, tu as quelque chose à ajouter sur vous l'avez qu'est-ce que c'est et en quoi consiste justement? Vous l'avez déjà si bien défini. Et moi, je peux juste revenir pour dire c'est une philosophie. Quand on parle de philosophie, c'est vraiment une pensée née au Japon qui veut tout simplement faire référence au fait d'aimer ce qu'on fait, de trouver sa raison de vivre, découvrir sa passion et même sa mission. Vous allez être d'accord avec moi sur le fait que quand on est en train de faire ce qui nous passionne, on le fait avec plaisir, on le fait avec enthousiasme et on n'a pas de maux de tête. Je comprends pourquoi les habitants de cette île-là vivent longtemps, parce que pour quelqu'un qui est prêt à faire quelque chose, même s'il n'est pas payé et qu'il le fait avec plaisir, ça lui procure d'abord du bien à lui-même. Et ça fait qu'il a quelque chose à offrir aussi aux autres. Voilà, le sens de servir. Il n'y a pas mieux, en tout cas. Moi, je dirais aussi, pour ajouter, c'est un exercice d'introspection. Voilà, afin de mieux se connaître et de savoir dans quelle direction nous voulons aller dans la vie, qu'est-ce que nous voulons faire. Comme vous avez dit, les définitions sont bonnes. Donc, pas à dire, comme on dit. Alors, j'ai une série de questions.
comment déterminer ce qui est important pour nous dans notre quête de sens? Parce que je sais que beaucoup de personnes, peut-être nous, on s'est peut-être déjà retrouvés, mais je pense que beaucoup de Congolais, beaucoup de jeunes sont perdus. Des fois, on n'arrive pas un peu à déterminer ce qui est important pour eux, en quête de leur sens. Donc, comment on peut déterminer cela? Quelles sont les techniques, les outils qu'on peut conseiller à ces jeunes qui nous suivent? Alors, moi, je vais partir un peu de ma propre découverte. C'est bien, hein, de ma propre découverte, oui, pour savoir comment découvrir ce qui nous passionne, ce qu'on aime. Il faut partir d'abord de la connaissance de soi. Je le dis parce que quand vous connaissez qui vous êtes et votre personnalité, c'est là que vous allez découvrir ce que vous êtes capable d'offrir et de faire sans trop d'exercice. Pour mon cas, par exemple, c'est le sens du service. J'aime servir les autres. Alors, je me dis, pour partir de là, comment je peux servir tout en faisant ce que j'aime et en apportant un plus dans la vie de ceux qui m'entourent, dans la société ou encore là où je peux me retrouver en train de travailler. Donc, découvrez d'abord qui vous êtes, quelle est votre personnalité, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime servir ou pas du tout, ou qui aime être servi. Donc, c'est dans ces sens-là que vous pourrez vraiment découvrir ce que vous, vous aimez faire et offrir aux autres. Voilà un peu. Oui, hein, et dans ce que je viens de dire, ça me rappelle quelque chose. Justement, il y a, on va dire, on va classer ça dans deux groupes de sortes de personnes. Des personnes services hein, ou des personnes... personne, on va dire. J'oublie un peu. Enfin, j'explique pour se faire comprendre. Il y a de ces gens qui, naturellement, sont des personnes qui sont appelées à exécuter des tâches. Donc, c'est des personnes très bureautiques, très ceci. Elles ont la facilité à elles-mêmes pouvoir exécuter des tâches et ont difficulté à déléguer. À déléguer et à montrer un peu à être leader. Non, c'est pas vraiment dans leur sens existentiel. Eux, c'est tu lui demandes de faire, elle fait et elle te fait ça très bien. Quand tu lui demandes, par exemple, et elle fait très bien seule. Quand tu lui demandes d'être, par exemple, dans un groupe et avec des tâches à déléguer aux autres, elle est un peu perdue. Il y a de ces gens comme ça. Mais il y a de ces personnes qui, en fait, elles savent identifier les personnes qui peuvent exécuter telle ou telle tâche. À ce genre de personnes ne vont pas du tout en travail. Si tu lui donnes un travail de bureautique, elle va s'ennuyer. À mort alors. Tu vois, alors que tout le monde ici à qui met là, non, je veux avoir un travail de bureau, je veux avoir la clim et tout, mais elles ne savent même pas qu'elles ne sont pas en vrai ce genre de personnes qui supportent être derrière quatre murs, assis toute la journée à exécuter des tâches. C'est plutôt des personnes qui sont en mouvement, qui sont appelées à aller, hein, à faire des missions, et à ce genre de personnes, vraiment, les boulots comme dans l'humanitaire, peut-être les aideraient, parce que ça permet de te déployer et d'être là, en fait, pour les autres. Voilà, tu es au service des autres en extérieur et tu sais détecter le mouvement de... Tu sais, bon, pour tel problème, non, c'est telle personne qui peut faire. Pour telle solution, on peut trouver ça dans telle personne, etc. Et c'est là même, c'est aussi savoir trouver le sens de sa vie. Parce qu'à partir de là, tu n'es pas perdu dans le boulot que tu fais. Ça, c'est vrai. Tu pourras mieux t'orienter par rapport même à tout ce que tu veux dire. Je veux juste essayer encore de paraphraser. J'aimerais vraiment que les téléspectateurs ne prennent pas ça dans un mauvais sens, mais dans la vie, et ça, il faut être réaliste. Ah. Il y a des personnes qui sont faites pour exécuter les ordres. Il y a ceux qui sont faites pour donner les ordres. C'est automatique. C'est dans notre sens, au fait. C'est en nous. Il y a des équilibres même. Tout à fait, un équilibre en soi. Il y a des personnes, comme tu l'as dit, qui, dès qu'on te donne juste ta checklist, ou un truc à faire, on te le donne là, tu exécutes à un point, tu es minutieuse, tu fais tout comme il faut, tu vois. Mais quand on te dit non, crée une équipe et gère cette équipe, ça devient compliqué pour toi de donner les ordres. Oui. Et dans l'autre aspect, il y a d'autres personnes qui, comme tu l'as dit, dans la bureautique, tu leur donnes une liste à faire avec chronogramme et autres, ils se perdent. Mais il y a d'autres personnes quand on te dit gère une équipe, délègue telle fonction, fais ceci, cela, ils sont doués dans ça. En fait, c'est dans la nature humaine. Et il faudrait que déjà en nous, qu'on puisse essayer de se placer entre ces deux catégories. Par rapport à tes compétences, à tes envies, à tes passions même. Tu fais partie de ceux qui donnent des ordres ou de ceux qui exécutent. Et dans le meilleur des cas, en fait, il y a aussi de ceux qui peuvent faire les deux.
Oui. Ça, ça existe également. Maintenant, des deux, tu dois voir par rapport à tes compétences, dans quoi tu es plus doué. Plus pondérant, oui. Il y aura oui. toujours quelque chose qui va peser plus dans la balance. Donc, tu devras plus miser sur ce qui pèse le plus et essayer d'en faire justement le sens de ta vie et d'évoluer avec. Exactement. Donc, voilà pourquoi il faut justement, c'est poser des questions sur soi, réfléchir. Moi, je dis juste de remettre en question, c'est important. Oui. Ça aussi. Et des fois, on écrire. C'est mentir soi-même. Alors que si tu te mens, tu te dis, ah, je suis forte en ça, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu te mens à toi-même. Peut-être les gens vont faire, ah, c'est super, mais c'est toi qui te fais du mal. Il faut toujours être honnête envers soi-même. Et c'est important vrai. Parce que quand tu connais tes faiblesses, tu connais tes qualités, tes défauts, tu sais que, ah, moi ici, vraiment, ça ne va pas. C'est une bonne chose déjà parce qu'au moins, tu es sincère et ça peut te permettre soit d'apprendre. Oui. Voilà, parce que c'est pas parce que tu n'es pas de base doué dans ça que tu ne peux pas apprendre de nos jours. L'être humain est doté de tellement de potentiel que même si tu n'étais pas de base fait pour ça, tu peux toujours apprendre si ça te tient à cœur. Exactement. On ne dit pas de laisser tomber ce que vous voulez faire, mais être sincère avec soi-même et accepter que non, ici vraiment, ce n'est pas mon domaine, mais comme je tiens à faire ça, je vais apprendre. On a tous eu à apprendre quelque chose que de base, on pensait que c'était impossible pour ça, nous. Ça, c'est vrai. Donc, et surtout, il faudrait marteler que, en soi, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, suite à mon expérience ou encore à l'expérience de mes proches, j'ai appris que être honnête avec soi-même n'est pas chose facile. Non, c'est pas très difficile d'être honnête avec soi-même. C'est comme si tu te regardais dans un miroir. C'est ça, en fait. Et tu es obligé de te critiquer, de dire ce que tu vois sans filtre. Et de fois, notre nature même peut être à l'encontre du désir que l'on a. Oui. On peut vouloir être comme telle personne, mais notre nature, dans notre nature, on ne peut pas l'être. Donc, c'est difficile pour nous de faire face à la réalité. Puisque moi, mon cœur veut devenir comme ça, mais moi, mon cœur n'est pas fait comme ça. Je ne pourrais pas m'adapter. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Je suis sûre que, Thérèse, tu as eu à prendre du temps pour te découvrir. Ça prend du temps. Tu as fait face à ta réalité, à ton image, à ton reflet, et tu as essayé de te dire que bon, c'est ce que je désire, mais au fond, je ne suis pas créée pour soi. Je ne suis pas faite pour ça. Donc, tu as pu prendre des décisions pour justement pouvoir avancer. Donc, c'est quelque chose à faire, mais il faudrait insister que c'est un exercice difficile et qui prend du temps. Exactement. Et, tu peux même être assistée pour faire ça. D'ailleurs, ça revient à la question que je voulais poser. Quels sont les obstacles, justement, potentiels à la réalisation de notre Ikigai? Donc, comment le surmonter? Parce que c'est vrai, on veut... voilà, apprendre à connaître sur soi-même, on veut vraiment trouver un sens, mais il y a sûrement des obstacles qu'on ne doit pas oublier et des défis. Quels sont les défis que toi, par exemple, Thérèse, tu as à découvrir, les filles, un peu, pour qui peuvent aider hein, ces jeunes à comprendre. Défis ou les obstacles qu'on a à découvrir, c'est quoi son Ikigai ou encore sa raison de vivre, c'est d'abord l'ignorance. Quand vous ignorez ce à quoi vous êtes appelé, ça fait que bon, vous êtes limité, vous ne savez pas quoi faire exactement. Donc, quand vous ignorez, vous vous posez aussi mille et une questions. À quoi je sers exactement? Comment je peux servir? Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est de là qu'est née aussi des questions à se poser. Ah oui, j'ignore en quoi je peux être utile, mais comment je peux parvenir à être utile? Il y a aussi les découragements. Les découragements viennent quand on s'est posé des questions, mais pas peut-être des bonnes questions. Ou qu'on a posé des questions sans pouvoir y répondre exactement et se dire voilà à quoi je suis appelée, voilà ma passion. Et donc on est découragé. Pourquoi? Parce qu'on observe que les autres sont en train d'évoluer dans leur domaine, mais vous n'avez pas eu la chance de vous découvrir. Et donc vous êtes découragé, vous dites ah, moi j'ai vraiment rien, je n'ai pas de talent, je n'ai rien à apporter, parce qu'il y a des gens comme ça, ils savent qu'il a quelque chose à offrir, mais il s'est dit moi je n'ai rien à donner, alors que vous avez sûrement quelque chose que vous aimez faire. Parce qu'on parle de talent, peut-être que certains imaginent il faut peut-être chanter, danser, mais le talent ça peut être lire et écrire. Bon, quelqu'un va se dire comment lire et écrire. Par exemple, moi c'est en lisant, en écrivant, que j'ai des idées de projet. C'est-à-dire que même si ce que je suis en train de lire n'est pas en rapport avec l'idée qui va venir, mais juste par le simple fait que j'étais dans un livre, alors ça m'ouvre l'esprit. J'ai eu à parler une fois avec un ami qui m'a dit, lui il s'était dit, en fait il avait tiré la conclusion qu'il n'avait rien à apporter, mais un jour il est allé prendre part à une conférence à l'église et le pasteur a dit écrivez juste trois choses que vous aimez faire, que vous pouvez faire naturellement. Il a écrit lire, écrire.
Et le pasteur a dit, concentrez-vous sur ça, et je crois que c'est de là que vous allez trouver votre passion. Et c'est dans ça qu'il évolue aujourd'hui. Donc le fait de lire et d'écrire a pu le faire découvrir son talent. Il y a aussi la comparaison. Ça aussi, c'est un obstacle. Quand vous vous comparez aux autres, ça fait que vous sortez en fait de votre ikigai, de votre raison de vivre. Pourquoi? Parce que vous pensez que ce que l'autre fait, c'est ce que vous devez nécessairement exactement faire. Si Prunelle ou Graciela et la jolie dame en face, Prisca, sont appelées à faire le journalisme, est-ce que tu dois nécessairement faire la même chose? Est-ce que c'est parce qu'il y a une dame qui nous suit en ce moment et qui apprécie le fait que vous soyez sur ce plateau en train de parler? Est-ce que c'est la raison pour elle de se dire je veux exactement faire la même chose parce que je trouve que c'est joli? Non, il faut que tu te découvres, tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Ou ça être une copie collée. Voilà, ça aussi, c'est un obstacle. Et voilà un peu, et ce sont des choses à éviter. Donc, on a de l'ouverture. Merci. Par rapport à tout ça, je ne sais pas, je vais t'interrompre encore. Non, pas de souci, d'ailleurs, je voulais vous revenir vers vous. C'est un concept en soi. Personnellement, j'ai déjà entendu parler de ça, mais il y a très longtemps, et c'est lorsqu'on a justement appris qu'aujourd'hui, on allait vous avoir sur le plateau, que je me suis dit, bon, c'est une occasion d'en apprendre un peu plus. Alors, je voulais savoir, en soi, l'ikigai, comme je l'ai dit, c'est être en équilibre sur quatre éléments, passion, vocation, mission, profession. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que c'est une seule activité qui doit combiner ces quatre éléments, ou bien tu peux exercer quatre activités différentes, une correspondant à chaque élément, et vivre ton ikigai. Alors, vous l'avez déjà d'ailleurs si bien signalé quand vous avez donné deux types de personnes. Des personnes qui ont la capacité de se concentrer sur une seule chose et d'avancer, de trouver que c'est leur passion. Et d'autres qui peuvent, dans cette passion, se découvrir à travers plusieurs domaines de leur vie. Voyez-vous, il y a des personnes qui peuvent faire plusieurs choses à la fois et trouver le plaisir dans ce qu'elles font. Mais je ne peux pas quand même dire que vous êtes censé tout faire parce qu'on est humain, on est limité. Donc si vous pouvez faire plus d'une chose, ça peut être 2, 3, 4, 5. Et si vous n'en êtes pas capable, vous pouvez faire seulement une chose. Vous pouvez faire une chose. Je connais des personnes qui, même lorsqu'elles doivent travailler et que vous leur apportez une autre information, il met ça de côté, carrément de côté. Pourquoi? Parce que actuellement, je suis concentrée sur une chose et je ne fais que ça. Ça me permet d'être plus concentrée, de donner beaucoup plus de résultats et d'avoir de résultats positifs. Mais si vous êtes en même temps capable de faire ça et de faire plusieurs autres choses, ça dépend de la capacité que Dieu vous a donnée. Parce qu'il y a des personnes comme ça. Mais si vous sentez que vous ne pouvez pas faire plusieurs choses à la fois et que c'est juste par le simple fait de vous concentrer, allez-je dire, sur une chose que vous pouvez découvrir votre raison d'être et bien faire les choses, alors concentrez-vous juste sur une chose. Alors, je donnerai un exemple concret. Prenons une personne qui, sa passion, on est dans le premier élément, sa passion, c'est lire et écrire. On entre dans la vocation, ce que la personne sait faire. Donc, cette personne, justement, sait écrire et lire comme l'exemple que vous avez donné dans quelques, tout à l'heure. Alors, cette personne a donc sa profession, a donc sa vocation et sa passion qui se marient en une seule activité, puisque la personne est douée pour écrire et pour lire, et la personne en soi est également passionnée par les deux domaines. Mais passons au troisième élément qui est la mission. La personne a une mission totalement différente. Puisque la mission en soi, c'est ce que tu dois apporter au monde. C'est ta valeur ajoutée au monde. Et sa valeur ajoutée n'a rien à voir avec la lecture et l'écriture. Mais c'est sa valeur ajoutée. Et on part dans la profession. La personne a également une profession qui n'a rien à voir avec, avec sa passion, sa vocation et encore moins avec sa mission. Une telle personne vit son ikigai ou bien il est toujours en train de se chercher? Alors, déjà, je crois que ça nous arrive à nous, à plusieurs personnes, d'avoir la passion d'un côté et de se retrouver dans une profession qui soit vraiment différente de la passion qu'elle a. Et tout se résume dans vos capacités, en tout cas, dans votre capacité. Et quand vous parlez des missions, moi, ça me renvoie plus à la mission que Dieu vous a donnée sur la terre. Et là, pour cette personne-là, moi, je la conseillerais d'aller vers son créateur. Parce que oui,
C'est ça qu'il faut faire pour ne pas se perdre. Parce que Dieu sait exactement pourquoi vous êtes là, pourquoi il vous a envoyé sur terre, à côté de tout ce que vous pouvez accomplir comme mission. D'accord. Et peut-être que dans ces processus, Dieu vous permettra de découvrir d'abord votre passion avant de réaliser votre mission. D'accord. C'est pourquoi il faut être quelqu'un de très précis, qui sait exactement ce qu'il veut et qui se découvre. Qui ne se limite pas qu'à ses propres intérêts, mais aussi à ce qu'il doit offrir aux autres. La passion est plus liée à vous, en tant que personne, mais la mission, c'est aussi pour les autres. La mission, c'est également pour les autres, en langage chrétien, je dirais, pour les chrétiens, pour nous qui sommes chrétiens. En soi, on appelle également la mission la vision. Et dans l'apprentissage que l'on a toujours eu dans les cours bibliques et autres, on nous dit pour découvrir sa mission ou sa vision, mis à part la parole de Dieu, il y a également des indicateurs clés qui peuvent être nos compétences ou encore les choses qui nous procurent de la joie. Donc, est-ce que pour vous, la passion sont des indicateurs de la mission? Exactement, la passion et la vocation sont des indicateurs de votre mission. Les talents, parfois même. Oui, parce que si, par exemple, je suis passionnée à défendre les autres, je suis passionnée à le faire. Moi, bon, moi je parle un peu de moi. Ma passion, c'est servir les autres. Alors, dans le sens de service, moi, je trouvais un truc que j'aime beaucoup faire, c'est diriger. Parce que je considère le leadership comme l'art de servir les autres, être au service des autres. Ça fait que c'est de là que je m'identifie et c'est même à travers ça que Dieu me fait comprendre ma mission. D'accord. À la fac, déjà, quand il fallait diriger une structure, je me mettais disponible et je me donnais tous les moyens possibles pour le faire. D'accord. Et c'est à travers ça que j'ai découvert d'autres talents et ce que je dois apporter aux autres. Oui. Et même les projets qui sont venus après la fac étaient vraiment dans le sens de cette découverte-là. D'accord. Donc, en tout cas, ce sont des indicateurs. Merci beaucoup les filles. Hein. Je vois ici qu'on essaie de trouver son ikigai. Hein. Exactement. Et vous, les filles, là, j'avais posé la question à Thérèse. Et j'ai une question. Quel aspect de votre vie vous apporte le plus de satisfaction et de bonheur? C'est une question personnelle. Je sais, mais peut-être ça peut aider. Je dirais vraiment rendre service. Moi, c'est quelque chose qui, depuis toujours, hein, vous savez, même quand on est petit, comment on se découvre même parfois quelque chose qui, en soi, peut être une mission que le Seigneur a même placée dans notre vie. C'est dans les choses qui nous passionnent, même quand on est petit. Remarque, on a eu mille et un métiers qu'on voulait faire quand on était enfant, mais on peut les catégoriser. Une fois en grandissant, on peut les catégoriser et remarquer dans quelle direction vont tous ces domaines qu'on s'imaginait. Parce que moi, je me disais, je veux être... hôtesse, hôtesse de l'air, et après, non, je vais travailler dans les maisons de retraite pour prendre soin des vieillards. Après, non, mais en fait, je veux plutôt être, travailler dans l'humanitaire, mais tu vois, vraiment venir en aide aux personnes, et des métiers comme ça, vraiment, qui allaient vraiment dans ce sens. Mais en grandissant, je me suis dit, mais vraiment, je suis portée sur les autres. Voilà. Je suis portée sur les autres, sur comment ils peuvent... se développer, évoluer, et c'est ce qui a conduit aussi dans mes études, parce que j'ai pas fait le journalisme pour ceux qui le croient, mais c'est plutôt la communication, on va dire la communication sociale, donc vraiment ce qui est vraiment tourné vers l'humanitaire, le développement des personnes, des communautés, de la société, et l'éducation notamment. Même l'éducation, c'est vraiment des choses qui me, quand j'en parle faut voir les yeux qui pétillent. Et voilà, vraiment, et même la Congolaise 2.0 est vraiment un cheminant de ça, parce que ça permet d'informer les autres, de les aider, de les éduquer aussi d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Alors, gracias. Alors, faut se dévoiler un peu aujourd'hui. Ah ouais, on va essayer. On va essayer. Oui. C'est vrai que ça va un peu paraître un peu copié-collé, mais malheureusement, c'est ma réalité. Je suis également beaucoup plus portée sur les autres. Cela se reflète même sur mes activités. Je suis portée, comme tu l'as dit également tout à l'heure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vers la défense des autres, la défense de la cause des autres, et précisément des démunis. J'ai commencé ça vraiment à la fac, où j'ai eu à débuter en créant mon ONG qui était portée sur l'éducation
également. Je l'ai d'ailleurs jusqu'à présent, cette ONG-là. Donc, on procède toujours à des activités qui portent sur les intérêts des démunis. Et lorsque je le fais personnellement, je me sens non seulement heureuse, mais importante. Oui. Et j'aime ce sentiment d'importance. Je me dis que là, je ne fais pas quelque chose en vain. Et en fait, quand tu dis important, c'est-à-dire les faits que tu fais quelque chose pour rendre les autres... Pas importante aux yeux des autres. Voilà, mais importante pour toi. C'est ce que je voulais que tu rectifies pour que ça ne paraisse pas prétentieux, tu vois. Oui, je me sens importante, moi, pour les autres. Je me dis que j'ai ma part dans la vie d'une autre personne. Lorsque je fais quelque chose, lorsque je défends une cause pour quelqu'un, je me dis, je fais ça pour quelqu'un. Ce n'est pas d'abord pour moi, je le fais pour quelqu'un. Et ce sentiment-là, moi, ça me remplit de bonheur, mais de fierté et surtout d'importance par rapport à moi-même. Et j'aime ça. Je suis également aussi passionnée lorsqu'il faut par le travail d'équipe. J'aime personnellement, moi, je ne suis pas du genre à travailler solo, excusez-moi. C'est vrai que dans certains domaine, cela nécessite travailler solo, mais j'aime beaucoup plus travailler en équipe. J'aime beaucoup plus ce fait de faire un brainstorming avec plusieurs personnes, d'être dans un groupe, d'être que ce soit à la tête ou comme étant un membre, mais j'aime le travail en équipe. Ça me fait également sentir toujours importante. Je me dis que j'ai ma valeur ajoutée dans ce groupe et si ça porte encore sur la défense d'une cause, c'est une double importance pour moi. Donc c'est également dans ça que je pourrais dire que je me sens en paix avec moi-même. Merci les filles, hein. J'espère que vos témoignages vont un peu éveiller certaines personnes qui sont encore... Mais Prunette, tu n'as rien dit. Ah ouais, quand même. Tu n'as rien dit. Je pose les questions. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire vous avez déjà dit plein de choses, donc je ne vais pas me répéter. J'aime aussi aider les autres, être au service des autres. Mais ce que j'aime aussi le plus, c'est être une source de motivation, mais motiver les autres. Par exemple, comme je dis, dans les cas des personnes qui peut-être se sentent pas bien ou un problème, en tout cas, de ce que je sais, je suis peut-être pas très affective, je ne montre pas mes actes d'une façon affective, mais je sais être là dans les actes. En tout cas, moi, si quelqu'un a besoin de moi, quoi que ce soit, je pense que je suis là. J'aime tellement être pour les autres, surtout avant que je m'oublie moi-même. Mais ça ne me dérange pas, mais après, il faut aussi penser à soi. Mais j'aime bien être aider les autres, motiver, parler aussi. Je pense qu'on aime tous parler. C'est pas pour rien qu'on est ici. Voilà, j'aime beaucoup. En fait, passer un message d'espoir, un message de réconfort. De réconfort, de dire aux gens que peu importe la situation que tu passes, peu importe déjà, les personnes qui me suivent savent que je pose tout le temps, chaque jour, de motivation sur mes réseaux. J'aime bien faire ça parce que moi-même, ça me motive et j'aime les partager avec les autres. Parce que la vie n'est pas facile. Je pense qu'on a tous vécu des moments durs et je me dis toujours que peut-être une personne sur 100 vit la même chose que moi ou est en train de vivre ce que moi j'ai vécu. Donc, peut-être en parlant, en disant si ça peut réconforter. Et je me dis toujours, j'espère être une bonne motivation pour les jeunes. C'est même pour ça qu'on est là, on vous parle. Et même notre train de vie, on n'est pas parfait. Parce qu'il ne faut pas dire, Aloba Casa parfait. Non, on est imparfait, on a des défauts. Mais on essaie au moins de faire de notre mieux. Moi, je me dis toujours pour apporter un plus comme changement de mentalité ou quelque chose dans notre pays. En tant que jeune femme, en tant que jeune... C'est important, on a tous une mission et je pense que chacune de nous a trouvé ce qu'elle voulait, son sens, et c'est comme ça qu'on est là pour vous parler, pour vous dire « Ok, il est temps aussi pour vous de trouver votre sens. » Si c'est déjà fait, c'est une très bonne chose. Et continuez juste à vivre avec ça, mais si vous n'avez pas encore trouvé, il est temps de chercher. C'est important, sinon après vous serez perdu. Et pour avoir vécu ces moments où je ne me connaissais pas. Je pense qu'on a tous eu ces moments où on ne savait pas qui on était, on était perdu. Ce n'est vraiment pas une période facile. Et tant que tu ne t'es pas trouvé, tu trouveras toujours que les choses sont dures. Même quand, elles sont toujours dures, mais tu le trouveras peut-être 1000 fois pire. Tu seras toujours là peut-être à te plaindre. Tu ne verras jamais le bon côté de la vie. Ça aussi, c'est ça quand on ne sait pas ce qu'on veut. On est juste là, on vit. Donc, c'est important de trouver le sens à sa vie, de faire un développement personnel. Ça ne va pas être facile, comme l'a dit Gracias, mais c'est important parce qu'on est passé par là. C'est comme ça qu'on vous donne nos petites astuces et ces conseils-là. Et aujourd'hui, on est là. Et on continue d'ailleurs. Moi, je pense qu'on n'est pas non plus à 100% dans notre Ikigai. On continue d'apprendre, de se chercher et
c'est comme ça qu'on a abordé ces sujets avec vous. Et pour finir, une dernière question. On m'annonce que c'est presque à la fin. En quoi ton Ikigai t'a-t-il aidé à trouver un équilibre entre ta vie privée et ta vie professionnelle? Ou si je vais poser une question de mon groupe, en quoi l'Ikigai peut t'aider à justement trouver cet équilibre entre sa vie professionnelle et privée? Oui, déjà il y a une première chose sur laquelle je veux mettre un accent, c'est le fait de ne pas sentir le poids de ce que vous faites ou du travail que vous avez à faire. C'est-à-dire que vous le faites tout naturellement et vous n'avez pas nécessairement besoin qu'on vous paye pour le faire. Donc, ça permet d'avoir un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Quand vous faites ce qui vous passionne, ça fait que vous avez également du temps pour vous. Vous avez également le plaisir, en fait, de partager ce moment avec ceux que vous servez, ceux qui sont sous votre direction ou ceux qui sont également inspirés par vous. Yeah. Donc, vous avez plus de plaisir à dire, voilà comment j'ai trouvé ma passion. Et pour ceux qui veulent se lancer dans le même domaine que moi, je suis disposée à vous donner le moyen, à vous donner la possibilité d'y parvenir. Donc, ne pas sentir ce poids-là, c'est une grâce. En tout cas, pour ceux qui ont découvert leur Ikigai, c'est même pour ça que les Japonais vivent longtemps. Vous voyez, donc ça contribue en fait à la vie, à la bonne vie, à la longue vie. Voilà un peu. Et moi, je pourrais rajouter, ça nous permet aussi de bien organiser notre vie. Parce que généralement, quand on est perdu, on sait savoir quand quelqu'un est perdu. Tu sens que ta vie vraiment... Donc, c'est vraiment un peu très désordonné. C'est vrai que il y a toujours des petites imprévus. Tu avais prévu quelque chose dans la semaine, ça, ça. Mais il y a des personnes, tu sens vraiment que la vie, c'est le désordre total. Tout ça parce qu'on ne sait pas justement organiser, savoir, ok, ça c'est le moment de ma vie professionnelle. Et ça maintenant, c'est ma vie privée. Qu'est-ce que je peux faire en dehors du travail? Donc, si on arrive à trouver cet équilibre, on sera très bien organisé. On ne sera jamais peut-être très dépassé par les événements. On sera super classé. On saura que ça c'est le moment pour ça. Et tu vois, ce type de personnes qui sont justement font l'équilibre et tout malgré les occupations, malgré comment elles peuvent être occupées. Tu comprendras jamais comment la personne arrive à effectuer toutes ses tâches jusqu'à la fin, arrive voilà, à trouver peut-être du temps pour soi. Ah, mais comment tu as du temps? Tu es tellement occupée, mais je m'organise. et surtout, c'est pas, il faut savoir que c'est pas en un claquement de doigts que ça arrive. Oui, surtout comme ça. Comme on le disait au début, ça se crée. Ça se crée, ça se recherche, ça s'apprend. Comme... Pour ceux qui ont réussi à trouver, comme Prunelle le dit, leur équilibre aujourd'hui, où tu vois qu'elle a tellement d'activités, mais arrive toujours à trouver le temps de faire ce qu'il faut et quand il le faut, c'est parce qu'elle a compris, la personne a compris son fonctionnement et la personne a notamment compris son ikigai, mais aussi comment l'encadrer, hein, comment aller étape par étape. Elle a été organisée. Alors, pour avoir une très bonne organisation, on fait des recherches. On cherche à se connaître soi, on cherche à mieux connaître aussi son domaine d'activité. Et voilà, comment on fait, je sais pas, un calendrier, un carnet, un tableau, tout ce que tu veux, mais vraiment ça se fait pas dans la tête, parce que quand tu t'imagines tout le processus dans ta tête, tu vas dormir, tu vas te lever, tu vas oublier. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans la journée qui te font oublier. Même quand tu te fais des objectifs, moi je dis il faut toujours écrire, c'est important, l'écriture est tellement importante. Et pas sur téléphone, hein, parce que sur téléphone c'est tellement des choses flash, tu reçois tellement d'informations sur téléphone que tu peux, moi ça m'arrive, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu es en train d'écrire un message, mais tellement que tu parles d'autres chose, plutôt de dresser le message que tu écrivais, tu écris ce que tu viens de dire. Voilà. Donc, c'est important d'avoir un carnet, un tableau dans sa chambre où vraiment mettre les étapes, les objectifs, comment, hein, ce que tu veux être, ce que tu veux faire, ce que, voilà, tu veux créer, devenir, tout ça. Et c'est vraiment un bon point pour trouver l'équilibre, en tout cas, dans cette... Merci, Prisca. Je pense qu'avec ton commentaire qu'on va clôturer la table ronde, en tout cas. Merci, Thérèse. Merci Gracias, pour vos arguments. En gros, pour résumer, de tout ce qu'on a dit de la philosophie des l'ikigai, voilà. Ah oui, c'est juste l'appui sur les faits que travail, bonheur et accomplissement personnel ne sont pas en opposition, mais sont bel et bien compatibles. Donc, l'ikigai nous permet donc de concilier tous les domaines de notre vie pour atteindre un seul but. Et le but, c'est arriver à être heureux, comblé dans notre vie personnelle, tout comme professionnelle. C'est ça le message qu'on voulait vous faire passer en abordant comme thème trouver son sens, trouver son ikigai. Merci. Alors, comme j'avais dit au début, on a un conseil du jour juste à la fin de l'émission qui sera dite justement par toi.
comme tu es notre invité, quel conseil tu donnerais à ces personnes qui nous ont suivis aujourd'hui concernant notre sujet du jour? Alors, j'ai un petit conseil à vous donner aujourd'hui. C'est de vraiment vous découvrir et aussi découvrir ce à quoi vous êtes appelé, avoir de rêves et commencer à y travailler pour le réaliser. Parce que si vous n'avez pas d'objectif dans la vie, ça fait que vous allez être frustré et penser, penser que vous ne servez à rien dans ce monde. Il y a des gens qui s'inquiètent et qui veulent tellement mettre fin à leur vie parce qu'ils se disent, moi, je sens que je n'ai rien à apporter. D'ailleurs, pourquoi je vis? Pourquoi je vis? Si tu es sur la terre, c'est que tu as sûrement quelque chose à apporter. Alors, tant que tu ne te découvres pas, tu ne sauras pas quoi donner. Donc, je vous invite à vous découvrir, à connaître ce à quoi vous êtes appelé, à avoir de rêves et à vous battre pour le réaliser. Merci beaucoup, Thérèse. Merci, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'à la fin. Comme toujours avec nous, merci du fond du cœur. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur nos sites, La Congolaise 2.0 sur Instagram, Facebook, Twitter, et nous sommes aussi disponibles sur YouTube, Congo Buzz TV. Vous trouverez les liens des émissions si vous avez raté quelques épisodes, ou soit si vous voulez revoir, question de vous édifier à nouveau, question de repérer certaines choses que lors de l'émission vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Si vous avez des suggestions, il y a un numéro qui est affiché. N'hésitez pas à nous écrire, de poser toutes vos questions et suivez aussi nos invités sur notre invité qui est sur Instagram. Si vous avez besoin des questions quelconques qui va dans ce sens, suivez-nous aussi chaque week-end sur notre chaîne Congo Buzz TV, La Congolaise 2.0 à 19h35 samedi et dimanche et les rediffusions dans la semaine. Portez-vous très bien, on se dit à très bientôt pour un tout nouveau épisode. Bonsoir et à très bientôt.